t'as vu? Ça va? Tranquille? Ça va? Tranquille? Vous perdez contre eux là et nous vous nous tuez. C'est un marabout. C'est un sorti. Je sais pas ce qu'il a mis devant les pages. C'est les retrouvailles de la Ligue 1 en fait. On a des parents sélection. Ouais, ça va, on va la corriger vite fait là, la Ligue 1. Il y a un match retour, c'est pas fini. Vous me dites descendez, du coup vous êtes monté deuxième. Vous êtes trop serré, vous. Vous, vous êtes à part, mais c'est normal. Hein. C'est trop serré. Tu gagnes, tu montes 6 places, tu perds 6 places. En fait, c'est ça. Tu vois. C'est quoi le programme là, pour le vol? Là, des films, tranquille. On mange un peu, pas beaucoup. Ah ok, dodo. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Retour à Dakar, retour chez toi, c'est quoi, ça fait quoi à chaque fois de revenir ici? Bah déjà, dès que j'entends je vais au Sénégal, première chose à quoi je pense, c'est ma famille, de retrouver ma famille, mes frères, mon père, ma mère. Et surtout, retrouver cette chaleur humaine. Les gens, ils sont super gentils ici, vous avez vu, je crois, et ils sont accueillants. Et c'est, voilà, c'est l'Afrique, quoi, et ça fait toujours plaisir pour moi de revenir ici, de... C'est une source de me ressourcer, voilà. C'est une source de motivation pour moi de revenir ici, reprendre des forces. C'est comme si quand je reviens ici, je reprends des forces, après je repars. Je suis en bloc pour la saison, pour tout donner. Voilà. Tu connais les Dibi, spécialité sénégalais. Moi, dès que j'arrive au Sénégal, première chose que je commande, c'est ça. C'est la base. Regarde-moi ça. C'est quoi? C'est de la viande. Bien grillée. Je sais pas comment ils préparent ça, mais c'est trop bon, tu vas voir. Je te laisse goûter ça. Faudrait que tu lâches ta caméra. Hein. Yana, comment ça va après cette nuit? Bah, ça va avec. Après une bonne nuit de sommeil, on va recevoir le fan club parisien chez moi. Donc on va prendre le temps de discuter un peu avec lui, avec eux, échanger un peu et voilà, ça sera un bon moment, j'espère. Bel accueil. Je savais pas que j'avais une chanson. Vivre à raison de la passion, Samba Dogali. Je suis Samba Dogali Ghana. Je suis le président chargé des relations extérieures. Je suis en même temps le cousin de Zakat. C'est mon cousin. On vous a apporté ce cadeau-là pour faire plaisir. Sur le nom de tous les membres du PSG Club Sénégal. Voilà, c'était un truc qui nous tenait à cœur. Parce qu'avoir un Sénégalais, c'était notre souhait en fait. Et voilà, c'est un plaisir. Et voilà, on est content quoi. Voilà. On peut imaginer comment on est content. Et je vous le dis, je vous le dis devant tout le monde, dans le groupe, avant chaque match, on fait des prières pour vous. On ne vous connaît pas. On n'essaie pas d'avoir quelque chose de. On s'en fout. Nous, ce qu'on aime, c'est le PSG. Non, c'est touchant et c'est surtout un plaisir pour moi de voir toutes ces personnes qui sont autour du PSG et qui sont autour de moi, en train de me supporter, de me soutenir et surtout
m'apporter leurs prières. C'est important pour moi. Et voilà, c'est, aujourd'hui, c'est, je suis content de les rencontrer. On a essayé de se voir. Je crois qu'on s'est parlé un peu après la signature. Mais le temps ne nous permettait pas de se voir. Et aujourd'hui, on a eu l'occasion de le faire. Et on espère qu'il y en aura d'autres. Et il y en aura aussi beaucoup plus de supporters au Sénégal. Et ça va continuer comme ça. Voilà, que cette année, qu'on joue la finale de la Ligue des Champions avec Ghana, voilà, dans nos... Sérieusement, mais ce sera le summum. Italien, Parisien, le talent de magicien, Marco Verratti. C'est pour les coéquipiers là. Ouais, je tenais à faire une vidéo pour l'envoyer à Marco. Dieu de Parisien, le talent de magicien, Marco Verratti. Le fils de mon meilleur ami et de ma cousine aussi. Ah oui, c'est un petit garçon. Ouais, un futur joueur. Belle gay. Ça va? Non. Allez, en plus, vous commencez à me prendre. Ouais, on te laisse. Pas de repos. Ça va? Ça va? Santé? Bon, ça c'est ma maman adorée. c'est la base. Hey. Je passe toujours ici, de dire bonjour. Normalement, je viens le soir, mais hier soir c'était un peu tard. Me fait parler, ouais. Et je dois voir mon père aussi, et après je vais en sélection. On vient prendre le crier avant de partir. C'est important. Vous saviez qu'il allait devenir footballeur ou pas? Ah oui, bien sûr. Il aimait toujours le foot. Il allait même au foot à pieds nus. Même quand il se blessait, il allait au foot toujours. Donc c'est tout ce que Dieu pouvait faire sur lui. Moi, je ne regardais même pas ses matchs. Trop de pression. Oui, il y a trop de pression. Tu ne regardes même pas ses matchs. C'est vrai? Oui. Elle n'arrive pas à regarder. Oui. Je ne peux pas. Vous avez peur qu'il se blesse? Oui, toujours dans la pression. Chaque elle fois. A toujours peur que je me blesse. Ouais. Du coup, elle ne regarde pas match les matchs. Match Sénégal, match à l'extérieur, tout. Je ne regarde pas ses matchs. Tu sais, des fois, en club, ça va. Tu peux regarder de temps en temps. Adieu. Non, c'est au delà de là. Mais merguez tout, tu veux dire, il est magnifique. Plan national. Moi, j'allais me mettre par terre. Hein. Il faut faire descendre direct. On va faire des prières. Welcome. Ah, non, non. Vous savez pas? Si. Mais est-ce que disent, il faut lui demander. C'est ce que disent tous les anciens dès qu'ils ont arrêté de jouer au foot. Est-ce que moi j'ai arrêté de jouer au foot? Oui. Parfois je vous donne des clés. Quelles clés? Tu fais tac tac, tu vas
Tu as remarqué, hein. Et après chaque match, si ça se passe bien, il me le dit. Si j'ai fait quelque chose de mal aussi, il me le dit. Donc, j'ai toujours un retour de mon père. C'est qui le plus dur, le coach ou ton père? Coach, frère, papa. Il nous a dit que vous aimiez pas quand il se prend pas de carton jaune. Quand? Quand il prend pas de carton jaune pendant les matchs. Ah, c'est normal. C'est un milieu offensif, défensif. Il est obligé de prendre des cartons. Mais pour vous, ça soit des cartons jaunes. Pas de rouge. Ouais. Pas de rouge. Tu sais, au Sénégal, tout le monde est footballeur. On aime trop le foot. Tiens. Il est allé à Djambar et Dieu a fait qu'il est devenu un footballeur. Moi, je suis au ciel. C'était un peu dur. Tu sais, lui, c'était le plus jeune de mes gosses. Après, il me quitte comme ça à l'âge de 10 ans, 12 ans. Il part à Djambar, je suis rentré, je l'ai mis dedans, j'ai failli retourner pour. Ouais, j'ai pleuré ce jour. C'était dur. Parce que toujours, il était collé à moi. Même si je dors la nuit, Gana, il se réveille là. Vous avez vu, juste au milieu, est l'école de football de Idrissa Gana et Bouba. Il s'entraîne de l'autre côté. Donc là, de vue, quand j'étais là, comme goal, je le voyais là jouer, faire ses prouesses techniques, tout ça, il marquait. On se méfiait de lui. Je vous présente mon ancien coach, celui qui m'a formé en étant jeune. On l'appelait Paouzin. Il a formé tout notre quartier là, on l'appelle là Seydiapou. Tous les jeunes, nos grands frères, là, leur papa, mes oncles, tout le monde. Il était tout petit. Quand on découvrait son talent, c'est quand il est allé à Djambar. Hein? Ouais. Et Djambar, bon, de là-bas on l'a détecté et c'est là qu'on a commencé à savoir si ça avait fait quelque chose ou pas. Mais ce qu'il fait, ce qu'il a fait au Djambar, c'est parce qu'il a fait ailleurs. Il a appris d'abord. Là, c'était on faisait la CSC, laisser se passer ici. Là, on prenait ce qu'on croyait le moins. Et tout ce qu'on tous les jours qu'on sélectionnait de l'autre côté, c'était les 200 meilleurs jeux, donc on détectait de là-bas. Est-ce qu'il, je pense qu'il m'avait dit qu'il avait commencé là. Après, Serre l'a détecté, il est passé de l'autre côté. Coach Perguet qui était là a conseillé son fils, il était dur à l'époque. Hein. Ouais, très dur, même avec moi. Hein. Il me prenait pour son fils. Hey, Sonko, pourquoi tu fais ça? T'as mal joué. Il dit non, c'est pas ça. Parle. Il faut, si vous êtes amis, il faut vous dire la vérité tout le temps. S'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Donc voilà. Depuis lors, on n'a pas changé. Hein. C'est que tu es bon, tu es bon, tu es mauvais, tu es mauvais. Ghana et moi sommes arrivés à Djambar ensemble. C'était en novembre 2003 et à l'époque, on avait 14 ans et avions de grands. Chacun avait ses rêves. Nous sommes dans la chambre de Ghana. Bon, les jeunes viennent de se réveiller, ils vont à l'école, donc voilà. Ça va, Nen? Vous allez bien? Bien. Bonjour. Donc, il occupait le lit là-bas au fond, mais c'était des lits superposés. Et il était en bas. Il ne voulait pas tomber, donc on l'avait mis en bas. Ici, on est dans le monde. C'est ici que Ghana regardait ses matchs. Regardait le Paris, Manchester et ainsi de suite. On mettait les chaises et puis tout le monde se regroupait et on regardait ensemble le match. Tout ça aussi, c'était pour rester dans l'esprit de famille, dans la cohésion et la bonne entente. Bonjour. Bonjour. Excusez-nous, oui. Vous allez bien? Ça va? Allez. Donc, à l'époque, Ghana occupait cette salle de classe avec d'autres élèves. Il était en classe de 4e. Ça va? Bonjour. Bonjour. C'est un cours de français. De français aussi. Le cours de français. On dirait que toute l'école fait français aujourd'hui. Oui. Donc là, à l'époque, le terrain était comme ça. On jouait sur du terrain comme ça. Et maintenant, on a ça. On a joué un match contre Lille et
Il a été très bon et c'était son jour. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est l'éducation qu'il a eue à travers Diambar, à travers des gens qui l'ont conseillé comme notre président. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il traduit parce que Ghana aide plus de... Je suis sûr qu'il aide plus de 100 personnes autour de lui parce qu'il y a des jeunes anciens Diambar qui sont en Europe. Il les aide. Il y a des jeunes actuellement, des étudiants sénégalais qui l'aident aussi. Et au-delà, il fait beaucoup de dons. Voilà, il participe vraiment au développement des zones auxquelles il a eu à être en contact. Et voilà, c'est un jeune qui aide beaucoup. Direction la sélection, on est parti. Ça va bien. Arrivé. Enfin venu, enfin. Enfin, en sélection avec mon pote, mon compatriote, Chiro Kouyaté, toujours dans la même chambre. T'es toujours avec lui? Ouais, tout le temps. Vous connaissez depuis combien de temps? Oh, ça fait longtemps. Depuis sa première sélection, je l'ai reçu. Je l'ai bien accueilli et depuis, il me quitte. Antolier, qui fait partie des cadres de cette équipe nationale. J'ai envie de dire que l'équipe actuelle du Sénégal est basée autour de lui, autour de certains joueurs. C'est autour de 3, 4, 5 cadres qui sont là et il en fait partie. Mais c'est un garçon exceptionnel. C'est un garçon doté d'une intelligence vraiment au-dessus de la norme. Donc c'est facile de l'entraîner. C'est un plaisir pour nous d'être avec lui. Il apporte beaucoup à cette équipe nationale par son implication, mais aussi par ses qualités footballistiques. Comme je dis, il a une marge de progression et je sais qu'à Paris, il progresse encore plus et les gens vont le découvrir. Les gens vont découvrir qui est vraiment Idriss Aganegay au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure des années. C'est la fierté de tout le peuple sénégalais. Il est en train de faire de bonnes prestations au PSG. Et j'espère que, Inch'Allah, il va gagner la Ligue des Champions avec le PSG cette année, Inch'Allah. Franchement, je suis très, très fière de lui. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Les gens oublient un peu vite, mais je crois que quand il quittait Lille un peu pour aller à Aston Villa, à ce moment-là, il était peut-être un peu plus coté qu'un certain Golo Kanté.
il a eu peut-être la malchance de tomber sur un club qui s'est fait reléguer par la suite et ça a peut-être eu avoir une certaine incidence un peu sur la suite de sa carrière. Mais bon, comme on dit, tout, ça vient à point nommé aujourd'hui. Il est, je pense, dans la meilleure forme de sa carrière. Ambassadeur du Sénégal, très grand joueur, et je crois que depuis Oumar Gueye Sène, on n'a pas eu ce genre de milieu de terrain. Et franchement, on est fiers de lui. Ça va, mon gars? Bravo. Merci, mon gars. Bien, capitaine. C'était notre capitaine. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation d'Idrissa au milieu? Je pense que voilà, il peut mieux faire. Donc voilà, en le connaissant et tout, il faut que voilà, il se met plus dedans. Non, je rigole. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, les milieux de terrain ont fait le job. Ils nous ont vraiment régalé. Non, 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 merci. Ah, il joue, c'est notre fierté. Ne vous en faites pas pour ça. C'est notre fierté. Voilà. L'aventure se termine maintenant. Vous m'avez suivi chez moi au Sénégal. J'espère que vous avez bien apprécié. On se dit à bientôt. Merci beaucoup.